Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Passion Multigaming, c'est Benny. On se retrouve pour le 65e épisode du Let's Play sur The Witcher 3. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va faire une quête secondaire. Alors, on va continuer la quête qu'on avait fait. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, la quête où on avait rencontré Lambert. Donc, il va falloir trouver Amond. Donc, carte. Donc, on est sur une île de Skellige au sud-est. Voilà, à Arviken. On s'est téléporté, il va falloir aller trouver Amond. Oui, Ablette. Oui, Ablette. Ablette. Pas mal ces épées, mais je préfère ma bonne vieille hache. Ablette. Ah, ok. Donc allez, il va falloir grimper, essayer d'aller trouver Amond. Oh, attention, attention, attention. Ok. Donc le dernier. C'est le dernier à trouver. L'histoire, c'était quoi déjà? L'histoire, c'est que Lambert, il recherche une espèce de gang. Et Amond, c'est le dernier membre de ce gang-là. Ils sont tous soit morts, soit déchus, on va dire. Il va falloir trouver ce fameux Amond qui était le, le chef, il me semble, de ce gang. Voilà, pour venger son ami qui était aussi sorceleur de l'école du chat, peut-être, je crois. Je sais plus. Donc il va falloir trouver le fameux Amond. Hop! Tu veux quoi? Je cherche un Amond. Et pourquoi? Pour affaire. Il prie à la chapelle sur la colline, à cette heure-ci. Si tu veux acheter des esclaves, il faudra attendre qu'il ait terminé. Ok. Je reviendrai. Ok, trouver l'hôtel au prix Amond. Ok. Donc il faut. Je pense qu'il faut essayer de. De gruger, si j'ai bien compris. Il faut essayer de passer par un autre endroit. Donc on va essayer. Passer. Voilà. Oula, c'est des Andriags, ça. On va les éviter. Dégage. Oh, je croyais que j'étais en train de tomber. J'ai eu peur. Non, il était en train de glisser en fait. Ok. On se taille. Ok, donc. Il faut monter ici. Par contre, je sais pas par où il va falloir passer là. Là. Je sais pas trop. Accélère un peu, Gérald, s'il te plaît, au lieu de marcher là de à l'heure, serait bien. Ok. Ok, voilà, on est passé. Ah mince, j'ai cru. Ah non, on va tomber dans la mer. Non. Putain, merde. Ok, on va faire un tour. Ah. Ah. Très bien. Ah, terre ferme ici. C'est des bandits. On les esquive, ou alors on y va. On y va. Allez, dégage. Dégage. Ok. Allez. Et hop. Ok, ça au moins. Donc allez, on va continuer. Attention, un Andriag encore. On va esquiver. On se taille. Ah, ça y est, on a trouvé un petit chemin. Très bien. Très bien, très bien. Donc allez, on va monter. Ok. Dieu de la mer,
J'ai toujours apprécié vos présents. Accordez-moi une autre victoire, pour que je puisse vous offrir davantage de butin. Surtout, ne fais pas attention à moi. Bordel, qu'est-ce que tu veux ? Je cherche Jade Carradine. Et t'es qui, au juste ? L'ami d'un ami, je cherche Carradine. Je me suis dit qu'on trouverait peut-être un moyen de s'arranger. Quoi ? Nos affaires dérangent des connards de Novigrad ? Foutu guild. Alors, vous attendez quoi ? Butez-moi ce trou du cul ! Ok. Bon, il est pas content. Il est pas content. Allez. Voilà, attention. Par contre, non. Hard. Ok. Ok. Allez. Hop. Attention. Allez hop. Plus d'amende. Lettre rédigée sur un beau papier. Ah, Necker, ok. Carte de Wint. Super. Ok, amende, je pense avoir été clair lors de notre dernière rencontre. Je ne veux plus vous voir et encore moins faire affaire avec vous. Je ne doute pas que votre entreprise soit rentable, mais pour dire les choses clairement, débrouillez-vous sans moi. Croyez-moi, les acheteurs potentiels ne manquent pas à Novigrad. Orfèvres, joailliers et marchands de produits de luxe seront ravis de traiter avec vous, mais pour ma part, je m'y refuse catégoriquement. Quelle que soit votre décision, je vous souhaite de réussir. Considérez cette lettre comme un adieu définitif, Carradine. Ok. Donc, Carradine a l'air de plus faire affaire avec eux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir aller voir Lambert. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite ellipse et on se retrouvera directement là-bas. Donc, je vous dis à de suite. On s'est attaqué, on s'est défendu, on l'a mis en pièces. Donc allez, on va voir Monsieur Lambert. Putain, c'est pas trop tôt. Carradine vit sûrement à Novigrad, et il n'a jamais coupé les ponts avec Amon. En fait, ils sont en affaires. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai appris quelque chose. Il trempe dans le trafic de bétail. Il possède un navire, le Perle de la Côte, qui relie Skellige à Novigrad. Il vit aussi sous un faux nom, Roland Treguer, marchand et philanthrope respecté de Novigrad. Rien que ça. Il a une résidence à Dornal. Allez, allons voir Carradine. Allons rendre visite à Carradine. Dans quoi ? Donc, il est à Novigrad, alors... Enfin, on a appris à un monde qu'il était à Novigrad. Enfin, qu'il était sûrement à Novigrad. Mais il me semble qu'il avait marqué qu'il était justement plus à faire avec lui. Il était en affaire, mais qu'il était plus avec... en affaire avec lui. Je pense savoir comment entrer. Moi, que ton plan inclut du grabuge avec une escorte de garde, il va falloir le revoir. Reste calme. Laisse-les commencer. Vous êtes attendu. Entrez. Ah. Mettez-vous à l'aise. C'est un sorceleur. Exact. Laissez-moi vous présenter ma femme, Laetitia, et mes deux enfants. Vous savez qui je suis, et j'ai entendu parler de vous. Vous posez beaucoup de questions à mon sujet. Ça a tendance à attirer mon attention. De quelle école êtes-vous ? De l'école du chat. Nous sommes si peu, désormais. Mon ami a besoin de vous parler. Mais
Messieurs, raccompagnez Laetitia et les enfants. Nos hôtes souhaitent s'entretenir avec moi en privé. Je suis tout ouïe. Parle-lui, Gérald. Si j'essaie de discuter avec cet enfoiré, je vais l'étrangler au premier mot. Vous vous souvenez d'Aiden, un sorceleur, assassiné à Elander. Je crois que les assassins ont été bien payés. Je me souviens de lui et de tous les autres, avec le plus grand regret. Pourtant, c'était différent avec Aiden. Contrairement à la rumeur, nous n'avons pas été chargés de le tuer. Nous y avons été forcés, quand il nous a attaqués. Quelle est votre version ? Aiden avait accepté un contrat pour lever la malédiction de la fille du duc. Il a pris l'argent, salopé le travail, et il a filé quand la fille est morte. Menteur ! Nous ne devions pas le tuer. Simplement récupérer l'argent. Il avait déjà tout dépensé. Alors on lui a demandé ses épées. Quand il a refusé, le ton est monté. Vienne a perdu son sang-froid. Elle lui a décoché une flèche en plein dans l'œil. Plus tard, elle a réécrit l'histoire. Pour faire taire son sentiment de culpabilité, je suppose. J'en ai assez entendu. Et maintenant ? Laissons-le en paix, Lambert. Viens. J'irai nulle part. Je suis venu tuer cette ordure. Laisse-le. Allons-y. Putain, t'as perdu la tête ! Lambert, tu es hors de toi. Tu dois bien t'en rendre compte. Alors contrôle-toi et fais confiance à celui de nous deux qui a encore la tête froide. On y va. Putain, Gérald. Ça, je sais pas si je pourrais te le pardonner. On y va, je te dis. Tu pourras toujours revenir. Merci. Explique-toi. Il n'y a rien à expliquer. Je pense simplement que Carradine ne méritait pas d'être assassiné froidement. Si tu es d'un autre avis, tu peux toujours y retourner. Mais sans moi. J'ai une furieuse envie de te démolir. Un de ces jours. Au revoir, Lambert. Ok, donc on a fini la quête de fil en aiguille. Donc on a épargné le fameux jeu de Carradine. Parce que on dirait qu'il est sur un autre business maintenant. Donc ce qu'on va faire. On est à Novigrad. Ce qu'on va aller. On va faire une petite chasse au trésor à Kia. C'est laquelle? Ok, donc on va explorer le passage sous l'île du temple. C'est pas très loin, c'est pour ça que je choisis celle-là. Vous êtes bourré ou quoi? C'est pas très très loin, donc on va y aller. On va essayer de trouver. On va essayer de trouver les composants, les schémas. Les composants de l'équipement du sorceleur de l'école du chat. Donc c'est parti, donc c'est pas très loin, donc on va y aller ensemble. Donc on continuera la quête principale. La quête principale à Skellige la prochaine fois. Peut-être que la prochaine fois je ferai encore du secondaire. Enfin, quand je dis secondaire, ça va être sûrement qu'on ira voir. La fille et le fils de Krar. Je pense qu'on ira assez vite pour faire ça. Et on fera les quêtes. Donc une quête sur l'île de Hondvik, si je me rappelle bien. Alors, il paraît que le fils à Krar, Hjalmar de son nom, et aller essayer de tuer un géant. Donc il va falloir aller voir un peu ce qui se trame. Et il va falloir aller voir Ciris aussi, qui a apparemment un des rois de Skellige, il me semble.
est atteint d'une malédiction. Enfin, d'après Ciri, c'est une malédiction, et d'après son père, c'est juste une histoire inventée par Ciri pour faire preuve de courage et montrer à tout le monde qu'elle peut devenir reine de Skellige. Donc on verra ça la prochaine fois. Donc tout d'abord, on va aller essayer de récupérer les équipements de l'école du chat. Je vais faire attention, parce que la dernière fois que j'ai essayé d'aller là, je me suis fait couiller bien comme il faut. Donc on va essayer d'y aller. Enfin, y aller. Essayer d'y aller. Ok. Ah, super. Ça y est, on est. Il y a quelque chose ici. Je dois utiliser l'œil. Ok, on a utilisé l'œil. Voilà, le passage sous l'île du temple. On y est. Alors, par contre, j'ai pas de potion chat encore. Je pense jamais à la prendre. C'est pas grave. Oula, 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 oula. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, fait n'importe quoi. Ok, donc. Plusieurs endroits où on peut visiter un golem. Alors, le golem. On va voir ce que ça craint, je me souviens plus. Pardon. Pardon. Oh, il y a rien. Il contre les créatures élémentaires. Allez, on va utiliser Quen. Oula. Ok. Ouais, il a l'air d'avoir mal quand je le tape quand même. Ok. Il se protège. Ok. Attention. Allez, ça dégage. Le golem est battu. Magnifique. Donc maintenant, on va aller chercher un peu les trésors qu'il y a ici. Donc il y a une porte là. Ah. Par contre, attends. J'aimerais bien d'abord voir ce qu'il y a là-bas. Là-bas, il y a quelque chose. S'il y a des choses. Ok. Il y a des choses ici. Oh, c'est grand au final. Hein. Oh. Oula. C'est quoi ça? Note de recherche. Conformément aux instructions de notre superviseur Irenaeus van Stengart, nous avons procédé à une série d'analyses génotypes des créatures communément appelées noyeurs. Hélas, l'administration d'un poison obtenu à partir d'un poison globe a plongé tous les spécimens dans le coma. En 24 heures, toutes les fonctions vitales des 10 spécimens avaient cessé, interdisant toute poursuite de l'étude. Ok. Ok. Spectre. Dégage. Donc. Ah, attends. Recette mystère. C'est quoi ça? Potiron. Ah, attends. Avec un peu de temps libre entre les traitements administrés et ces nourrisseurs puants compromis, voici ma fameuse recette au poulet épicé. Potiron, cuisse de poulet. Lait de coco, difficile à obtenir, mais un navire affrété par l'importateur. Hein. Le reste des ingrédients étaient déchirés. On saurait vous débrouiller avec ça, j'imagine. Bonne chance. Ok. J'ai pas tout compris, mais. Allez, appuie. Allez, appuie. Les trucs qui bougent là.
lui il bouge. On va essayer de les faire regarder en face tous. Un. Et. Ok. On va tous les faire regarder en face, hein. C'est logique, hein. Je pense que c'est le plus logique. Ok, lui c'est bon, lui c'est pas bon. Allez. Ok. Manque lui. Voilà. Allez. D'accord. Ok. Et maintenant il y a lui. C'est le dernier. Ok, bah nickel, c'était ça. En même temps, c'est logique. Ok, il y a des noyers. Ouais. Allez. Un. Deux. Trois. On va remonter vite fait, reprendre de l'air. Et on va redescendre. Maintenant. Il y a quelque chose là. Oh. C'est quoi que j'ai récupéré? Je sais même pas ce que j'ai récupéré, j'ai pas vu. J'ai pas vu ce que j'ai récupéré quelque chose. Mais j'ai pas vu ce que c'était. J'ai pas vu ce que c'était. En tout cas, ça avait l'air important. Ah ouais, c'est là-bas. Ok. Donc on a récupéré quelque chose, il me semble que c'était une clé, non? Je suis pas sûr. Du moins, on a récupéré quelque chose déjà. On va aller voir. On va aller voir ce que c'est. Je crois que c'était une clé, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc allez, on va aller à gauche là-bas. Ah bah oui, c'était la clé de la porte, je pense. Voilà. Là, il y a un monsieur là-bas. À mon avis, il est pas content, lui. Tiens, le fou. Allez, amène-toi. Ok. Ah mais c'est un sorceleur, je pense. Je pense que c'est un sorceleur aussi. Qui en le fou. On va utiliser Axi. Oui. Hop, tête coupée. Et voilà. Ça c'est très bien ça. Oh, carnet de laboratoire, gantelet de l'école du chat, magnifique. Carnet de laboratoire, donc appuie sur pause pour lire. Hop. Ok. Ok, petite ellipse. Donc déjà pour vous dire, désolé pour le petit bruit qu'il y a eu dans la deuxième partie de vidéo. J'ai oublié d'enlever le chargeur de la manette. Excusez-moi. Donc, petit bruit, bon, c'est pas trop grave. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on continuera sûrement l'école du chat dans le prochain. On finira tout ça. Donc, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de The Witcher 3. Allez, peace, prenez soin de vous. Yeah.